Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir Alain, bonsoir Jean-José, bonsoir Bernard, bonsoir Eric qu'on ne voit pas encore, bonsoir Jean-Louis qui doit être quelque part dans la maison. On attend peut-être encore 2-3 minutes et on va y aller. Hop, je vais partager l'écran. Pour gagner du temps. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui? Oui, super. Je préfère demander, vérifier avant. On ne sait jamais. Voilà. Tac. OK. On va pas tarder. Bon. J'attends encore 1 minute et puis on y va, hein? 1 minute. On a un petit programme un petit peu plus chargé que la semaine dernière, mais j'espère pas trop. On va pas s'éterniser non plus. Hein. 2 heures d'agora, c'est beaucoup déjà. Donc, on va essayer de ne pas faire 5 heures. Hein. J'ai vu qu'il y avait des hommes politiques maintenant qui faisaient des émissions de 5 heures sur YouTube. Bon, nous, on va pas faire ça. Hein. On va s'arrêter à 2 heures, même 1h30 si on peut. Enfin, je réponds à toutes vos questions comme d'habitude, hein, mais essayons de pas s'éterniser quand même, parce qu'après, ça fait aussi beaucoup de travail derrière. Et ensuite, on se couche très tard. OK, allez, on va y aller maintenant. Donc, Agora numéro 28, mardi 21 mars. On n'est que le 21 mars, non, on est le 28 mars, je crois. Hein, 28 mars. Oui. Bon, j'ai dû oublier de changer la date. On va le faire maintenant. Tac. C'est parce que je veux payer hier, c'est pour ça. Allez, on y retourne. Donc, je disais, ça prouve que vous suivez. Agora numéro 28, mardi 28 mars, ben, ça tombe bien, 20h30. OK, alors le programme de la soirée, l'accueil des nouveaux, s'il y en a. S'il n'y a pas de nouveaux, eh ben, on va sauter cette partie. Vos premières questions en direct. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commencer à écrire vos questions dans la fenêtre de conversation. Je vois que Bernard a commencé à l'écrire. Et si vous voulez intervenir en direct, vous levez le doigt, vous levez le poing, vous levez la main, vous levez ce que vous voulez lever, tant que ça reste décent. Hein. Et donc, évidemment, j'ouvre votre micro et on peut, comme ça, je peux écouter votre question et vous répondre en direct. La troisième partie, l'anecdote de la semaine. Je vous ai dit, il y a une anecdote par semaine, donc ça, c'est sur les stylomaniaques. Donc, on verra ce que c'est que des stylomaniaques. Quatrième point, les cours et formations de l'école Harmonica. Il y a beaucoup de changements. Il y a des nouveautés, pas mal de changements. J'en ai parlé dans l'épisode de vlog dimanche dernier, mais je vais en faire un petit rappel ce soir. Pas de tout, hein, mais je rappelle surtout les grandes nouveautés. Et si vous avez des questions à poser là-dessus, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Enfin, ou jamais, non. Enfin, il y aura toujours la possibilité de poser des questions, mais disons que c'est le moment de poser des questions là-dessus. Le coup de cœur, c'est Charlie McCoy ce soir. On change un petit peu d'univers. Ensuite, une partie sur les témoignages d'élèves, parce que ben, je reçois beaucoup de témoignages en ce moment, donc c'est bien, ça fait chaud au cœur. Et j'ai bien envie de vous les partager. Voilà, donc quelques témoignages d'élèves tout à l'heure. Vos dernières questions en direct, donc si évidemment il vous reste quelques questions, ben, faut pas hésiter comme vous en avez l'habitude. Et puis ensuite, la programmation, ça va être rapide, de l'Agora numéro 29. OK. Ah, bonsoir Gaëtan. Bonsoir Jean-Jacques. Gaëtan et sa webcam. C'est bien, ça fonctionne. Par contre, Eric n'a pas de webcam apparemment. OK, bon.